Je me demande où est passé ton oncle, il répond pas. Il a rien dit. Chérie, calme-toi maintenant. Allez, chérie, viens, mon bébé. Allez. Calme-toi. Allez, viens, on va le rappeler. Une dernière fois. J'ai profondément blessé ton oncle. Très fort. Et maintenant, eh ben, il ne répond plus au téléphone. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Ah, le voilà! Le voilà! Regarde, hop là, je te mets comme ça. Comme ça, t'es bien, ok? Allez, ma puce, tu restes ici, je reviens tout de suite. Reviens tout de suite. Kubra. Qu'est-ce que tu veux, Yigit? Qu'est-ce que tu veux encore de moi cette fois? Écoute, je m'étais promis de ne plus te blesser, mais des choses inattendues sont arrivées. Ce sont des choses dont je ne peux pas te parler maintenant. Je ne peux rien te dire, je suis vraiment désolé. Oui? Vraiment. Je sais. Alors, bonne chance. J'espère que tu seras un meilleur père cette fois avec ton enfant. L'enfant? Quel enfant? Arrête de mentir, Yigit. Je sais, pour la grossesse de Cybèle. C'est bien pour toi, hein? Tu commences à comprendre la leçon. Je vois que tu assumes tes responsabilités cette fois-ci. Je voudrais voir ma fille, Kubra. Kubra, qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Yigit. Kubra, sors de ma vie, s'il te plaît, d'accord? Tu n'aurais jamais dû entrer dans cette maison. Je suis le premier à t'avoir ouvert la porte. Ça ne signifie donc rien pour toi, c'est ça, hein? C'est moi qui lui ai ouvert la porte, Yigit. Elle va vivre avec nous maintenant. Le bébé va naître dans cette maison, dans la maison de son père. Écoutez bien, je pense que personne ne peut forcer quelqu'un à vivre avec lui, d'accord? L'enfant est peut-être de moi, mais je ne serai pas son père. Alors s'il te plaît, va-t'en, Kubra. C'est ta fille, c'est vrai, oui. Mais elle ne sera jamais, tu m'entends, jamais que tu es son père. Alors tu me laisses et tu sors de ma vie, Yigit. Ce que je comprends pas, c'est ce que Yigit va encore faire. On peut jamais s'arrêter, en fait, c'est ça? De quoi tu parles? De quoi tu parles, hein? On sait jamais ce qui se passe. On sait jamais ce qu'on doit faire, et pourtant, on est là. Salut. Bonne soirée, vous avez l'air à l'aise? C'est bien. Alors qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Ne me regardez pas comme ça, qu'est-ce que vous faites assis ici? On vient de placer de l'argent dans la voiture d'un type au hasard. Et vous, vous êtes assis ici à vous reposer à ce que je vois? Ça va, détends-toi.
On a pensé que... Vous avez pensé quoi? Et qu'est-ce qu'on fait s'il décide de partir avant, hein? Qu'est-ce qu'on fait, dis-moi, Selim? S'il décide de partir plus tôt, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, dis-moi, hein? Vous êtes bête ou vous le faites exprès? Vous ne réfléchissez pas ou quoi? Comment vous pouvez laisser cette voiture comme ça sans surveillance? Vous êtes fou, non? Est-ce que c'est comme ça qu'on gère nos affaires, hein? Réfléchissez un peu, si on avait été autant décontracté au début, on n'en serait pas là. Allez-y, maintenant. Mettez-vous au travail. Vous avez bien fait. Viens là, ma petite chérie. Je suis sûr que tu vas bientôt marcher. Tu te tiens déjà debout? Regarde-moi ça. Bonjour. Bonjour. Viens par ici. Tu as fatigué ton oncle? Hop là, viens ma puce. Viens par là. Voilà, là. On ne veut pas qu'il se fatigue. Je veux aller au mariage, Émir. Je sais que tu ne voudras sûrement pas y aller, mais moi... Mais voilà, je crois que c'est bien d'y être. Je ne veux pas qu'on pense que je suis assise à la maison à pleurer Yigit. Oui, c'est ce qu'il dirait, hein. En fait, j'aimerais y aller aussi. Après tout, c'est toujours mon frère. Qu'est-ce que les gens diront ? Ils diront ce qu'ils veulent après tout. Nous irons donc à ce mariage. Qu'est-ce que vous allez faire? Les laisser lâcher? Je vais les relever pour qu'on puisse attacher le voile. Ah. D'accord. Oh, si belle. Tu vas être tellement belle. Rappelle-toi le coiffeur du quartier qui mettait 4 tonnes de lac quand on ne ressemblait à rien. C'est si gentil que ton mari nous ait invité ce génie chez nous. Oh, c'est un vrai délice pour nous, vous savez. Avoir un traitement pareil avec de vrais professionnels. Maman. Chut, ça suffit. D'accord. Nous allons bientôt passer au maquillage. Quelle couleur pour les paupières? Eh bien, je sais pas. J'y ai pas réfléchi. Je me disais que je ne devrais peut-être pas faire de chignon. C'est peut-être mieux si on les laisse lâcher. Une fois que j'aurai terminé, je m'occuperai de vous, madame. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de place ici. Eh bien, je viens d'avoir une idée. Vous voyez ce maquillage? Eh bien, je voudrais avoir ça. Merci beaucoup, chérie. Merci.
Ah, mais on dirait qu'ils ne sont pas pareils, ceux-là. Regardez, celui de gauche, là. Vous voyez, là, oui, là, voilà. Oui, c'est ça, vous avez compris, oui. Et juste ici, on installera un contrôle de routine. Parfait. Tout est réglé, Emir. On ne peut pas se permettre de rater l'opération, c'est clair? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons la meilleure équipe. Alors mettez ce plan à exécution. Très bien. Chérie, est-ce que tu en veux un? Merci. Oui. De rien, mon chéri. Alors, c'est bon? Trop bon. Ah, c'est merci. Délicieux, très réussi. Merci beaucoup. Ma puce, tu n'en veux pas, tu es sûre? Non, j'ai pas faim. Ah. D'accord. On va finir par rater le mariage, là. Il conduit trop lentement. Selim, pourquoi est-ce que t'es tendu comme ça? Peut-être parce qu'on a une contrebande de millions de dollars dans la voiture devant nous. C'est une raison suffisante? La voiture signalée se dirige vers vous. C'est sur la bonne voie, monsieur. Très bien. Ils arrivent. Préparez-vous, d'accord? Est-ce que c'est la police? Je me demande bien pourquoi ils contrôlent. Comment ils ont découvert notre nouveau plan? Pourquoi Emir nous a pas arrêtés? J'en sais rien, moi. On doit prévenir Yigit tout de suite. Non, attends. Mais qu'est-ce qu'on fait? Attends un peu. Peut-être qu'ils surveillent les appels téléphoniques. Ça doit être comme ça qu'ils ont découvert pour la voiture. S'il vous plaît. Vous avez été signalé. Nous devons fouiller. Comment ça, monsieur? Vous devez faire une erreur. Allez-y, fouillez ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme ça. Tu vas directement au garage, comme ça tu fais disparaître Oran, d'accord? S'ils veulent des informations, ils iront chez lui. Moi, je vais voir Yigit.
Je vais aller le prévenir tout de suite. Écoutez, messieurs, regardez, ma femme et mes enfants ont peur. On ne ferait jamais rien pour enfreindre la loi. Nous n'avons rien fait de mal. Ne vous inquiétez pas, il ne leur arrivera rien. Désolé, monsieur, on n'a rien trouvé. Et vous pensiez trouver quoi, je vous le demande? Monsieur, c'était une mauvaise information, je suppose. C'est impossible. L'argent est dans cette voiture. Vérifiez encore une fois pour moi. Et s'il le faut, eh bien, on démontera la voiture. Continuez la recherche. Allez, allez! Bienvenue à vous. Bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue. Entrez. Soyez les bienvenus. Bonjour. Bienvenue. Entrez. Merci. Et alors, que font nos mariés? Ah, qui? J'espère qu'ils ne seront pas en retard à leur propre mariage comme toi. Perry. Muslim, vous êtes mal. Coopérez. Sinon, vous allez finir en prison, c'est évident. Commissaire, je vous jure que je ne suis pas coupable, croyez-moi. Ils ont dû mettre l'argent dans la voiture chez le mécanicien. D'accord. Vous avez eu un accident. Mais alors pourquoi il n'y a pas eu de constat? On m'a emmené directement là-bas, on a payé la facture en liquide. Pourquoi je devrais faire un constat pour ça? On a appelé un mécano, Garage Kismet à Tarlabassi. C'est Oran qui a réparé la voiture. Allez lui parler, il doit savoir quelque chose. Je pense qu'il dit la vérité. Envoyez une équipe au garage du mécanicien et confrontez-les. Oui, tout de suite, monsieur le procureur. Je suis d'accord que le pauvre type n'avait aucune idée, mais cuisinons-le encore, juste pour être sûr. T'étais passé où? Le café est froid maintenant. J'arrive, monsieur. Ça s'est mal passé, tu dois partir. Mais je dois aller où? Prends la voiture. Il y a une maison isolée à Polonezkoï, vas-y. Va te cacher là-bas pendant quelques jours. Les clés sont dans la voiture. D'accord, j'y vais. T'attends que je t'appelle. Surtout, tu te montres à personne, ok? Tu parles à personne avant que je t'appelle, c'est d'accord, Oran? Allez, dépêche-toi. Il était temps. Hein. Bienvenue, mon ami. Bienvenue à ton mariage. Merci, monsieur.
Merci pour tout, merci. Oh, bienvenue, mon cher. Bienvenue à vous. Entrez, s'il vous plaît. Vous devez être la femme de Monsieur Soydali. Mon nom est Nériman. Je suis la maman de Cybèle. Ah, d'accord, Nériman, bonjour. Oh, quelle beauté. Votre fille est vraiment magnifique, hein? Qui? Yilmaz avait raison à propos de mademoiselle. Perry. Monsieur Soydali, merci pour ce mariage. Nous vous remercions de nous avoir invités pour cette journée si spéciale. C'est normal, madame, c'est normal. Le plus important pour moi, c'est leur bonheur, n'est-ce pas? Perry, montre à Nériman et Cybèle la chambre que nous avons préparée pour elles, s'il te plaît. Oh, bien sûr, chérie. Veuillez me suivre, chérie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est parti, Yigit. Si tout va bien, ce mariage va vite passer et on pourra alors retourner vite à nos affaires. Yigit, viens par ici, viens. Bonjour, ça fait tellement longtemps. Bienvenue, mon ami. Merci d'être venu. Écoute, pour Yigit, journée spéciale. Bienvenue. C'est l'argent. Bienvenue à qu'est-ce tous. Qui se passe? Merci d'être venu. Ymir a intercepté la voiture et il interroge le gars. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On la ferme et personne ne dit un mot à ce sujet, c'est bien clair. D'accord, d'accord. Ender a fait disparaître le mécanicien, t'inquiète pas. Ils peuvent pas nous atteindre, du coup. D'accord, mais il faut faire attention parce que si le mécanicien parle, on est fini, tu le sais. Ouais, ouais. Yigit, qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de régler un petit souci. Très bien. Le propriétaire du garage a déjà été condamné, Oran Kaya. Il a fermé son garage dans l'après-midi et puis il a disparu. Ils ont dû le prévenir. Certainement. Mais on finira par le trouver, ne vous inquiétez pas. Si Muslim nous dit la vérité, le gars doit être bien caché. Y a-t-il des caméras là où il y a eu l'accident? Oui. On a demandé des vidéos. On les aura bientôt. Bien. Ah. Écoutez-moi. Je ne suis pas au courant de toute l'histoire. Dites-moi pourquoi ils ont contrôlé cette voiture-là, hein? Apparemment, quelqu'un nous a vendu, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Je vais le retrouver et m'en occuper personnellement. Est-ce qu'ils ont des indices ou des pistes, hein? Ils peuvent nous retrouver. C'est impossible. Ender a fait disparaître le mécanicien. Et la famille interrogée n'est au courant de rien. Yigit, on dirait bien un coup de ton frère, non? Je ne sais pas, monsieur. Nos gars sont sur le coup, évidemment, n'est-ce pas, Selim? Oui. On s'en occupe, monsieur. Très bien. Écoutez, assurons le mariage. Nous devons montrer notre unité à tout le monde, ok? Et surtout, ne laissez pas filtrer cette histoire, d'accord? Mais écoutez-moi bien. Une fois que c'est terminé, les têtes vont tomber, vous pouvez me croire. Allons-y, tout le monde nous attend. Regardez-moi ça, hein? Il a fait exprès, on dirait. Ouais. Vous pouvez zoomer encore un peu? Bien sûr. Là, c'est lui. On peut peut-être chercher dans la base de données pour voir si ça correspond. Fevzi Taskin, il a un casier judiciaire pour fraude. Je vous laisse l'interroger. Je ne veux pas être en retard au mariage. Bien sûr, monsieur. Kubra, t'es vraiment sûr? Qu'est-ce que t'essaies de prouver en allant à ce mariage, dis-moi? Que se passera-t-il là-bas, hein? Ça ira derrière. Pour Yigit, tu vas faire semblant d'être heureux, c'est ça? Je peux pas croire que tu sois si têtu. Ça n'a vraiment aucun sens. Pour toi. Oui, commissaire? Bien sûr, je l'ai dit.
Ils ont trouvé Fevzi Taskin, monsieur le procureur. Ils l'emmènent en interrogatoire dès maintenant. C'est ce type, monsieur. C'est lui qui m'a frappé et m'a emmené au garage. S'il vous plaît, je vous en supplie, dites-leur. J'ai des enfants, vous savez, ne me faites pas ça. Je n'ai rien à voir avec ça, commissaire. C'est un accident, enfin. Rien d'étrange. De quoi parlez-vous? Comment pouvez-vous dire que vous n'avez rien à voir avec ça, hein? Ce n'est pas votre ami, ce mécanicien? Revenez tout de suite et dites qu'ils ont Oran Kaya et que ses empreintes digitales sont sur tous les billets, d'accord? Remettez-le en cellule, ok? Ok. Ce n'était pas un accident inattendu, Fevzi. On sait tout. C'est plus que manifeste que tout était planifié. Commissaire, c'est pas sous la juridiction de la police de la route? Vous avez assez de passés judiciaires pour tout savoir, hein, Fevzi? C'est ça? Donc vous devriez savoir que celui qui parle le premier est puni le dernier, pas vrai? Alors dites-moi tout. Connaissez-vous Oran Kaya par hasard? Eh non, monsieur. Oran Kaya a été emmené, commissaire. Ils ont trouvé ses empreintes digitales sur tout l'argent. Sacrée nouvelle. Peut-être qu'il va parler. Attendez de voir ce qu'il a à dire. Commissaire! Je vais parler. Bienvenue. Votre nom? Désolé, c'est un mariage privé, nous devons demander. Emir Kilik. Je sais que c'est un mariage privé. C'est le mariage de mon frère. Je suis vraiment désolé, monsieur Kilik. Mais votre nom ne figure pas sur la liste des invités. Nous ne pouvons pas vous laisser rentrer. Bien sûr que si. Vous pouvez vous pousser? Malheureusement, non. Emir, c'est pas grave, on s'en va. Viens. On s'en va nulle part, Kubra. Écoutez, monsieur, c'est le procureur de la République. Quel est le souci, enfin? Je comprends bien, mais il n'est pas sur la liste. C'est bon, laissez-le entrer. Poussez-vous. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, Kubra. Mes félicitations. Elif n'est pas là? Je ne voulais pas l'emmener au mariage de son père. Deria veille sur elle. On y va? Maintenant, ce morceau de musique. Qui veut dire que tu vas me quitter? Et que tu vas me quitter pour toujours, ma chérie.
Je te quitterai jamais, maman. D'accord ? Je te le promets. Laisse-moi te regarder une dernière fois, ma chérie, avant d'aller les rejoindre. Laisse-moi te dire que tu es absolument magnifique. Allez, viens, ma chérie. Dieu, s'il te plaît, bénis ma fille. Allez. Attends. Allez. Allez, oui. Je pourrais même laisser tomber toutes mes affaires pour toi. Je deviendrai quelqu'un d'autre. Je veux devenir cette personne, oui. Tu crois même pas à ce que tu dis, je te vois. Eh bien, j'espérais pouvoir te convaincre, moi. Viens avec moi à Paris, loin du monde entier. Juste nous deux. On pourra marcher sur les ponts et se parler. Toute la journée en amoureux. Oui, tu as beaucoup de choses à me raconter, je n'en doute pas. Hein, c'est ça. Quand tu m'embrasses, j'ai l'impression que mes pieds ne touchent plus le sol. Je flotte à quelques centimètres du sol, en fait. Tes pieds ne toucheront jamais le sol si tu restes avec moi. Thank you.
Monsieur, il y a des avancées. Fevzi Taskin a commencé à parler. Il va leur dire qui est derrière tout ça maintenant. Bon, attends-moi à la porte. Connaissez ? J'ai juste entendu parler de lui. Fevzi. Allez, ne soyez pas bête. Vous avez admis que vous avez organisé ça. Voulez-vous être poursuivi pour appartenance à une organisation criminelle ? Ou juste cet incident ? Vous connaissez la différence entre les deux. C'est environ 20 ans. Je ne mérite pas ça, commissaire. Je ne gère rien du tout, moi, hein? C'est exactement ce que je dis. Je veux seulement savoir qui dirige cette organisation. C'est assez simple. Vous le savez, hein, Fevzi? Ils ont eu Fevzi. Il a peur et il parle. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, et je sais pas ce qu'on doit faire. Oh, c'est pas vrai. Oh, félicitations. Félicitations. Yigit, ils ont eu Fevzi. Ils parlent. Tu dois disparaître. Et maintenant. Monsieur le procureur, Fevzi a avoué. L'équipe est en route. Ils sont en train d'arriver ici. Thank you.
Monsieur, le suspect a avoué qu'il travaille pour Yegid Kilik. Prenez-le.